Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais ouvrir la Poney Box du mois de février. Donc ça fait déjà 3-4 jours que je l'ai reçue, donc ça a été très dur d'attendre de faire cette vidéo pour l'ouvrir parce que je suis vraiment trop curieuse. Et du coup je vous montre, hein, elle est bien encore emballée. C'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Il y a pas mal de scotch, donc c'est parti. Donc, la voici. Alors, j'entends un bruit de fer dedans, donc ça me fait un petit peu penser à un mort. Alors dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Je vais ouvrir parce que comme ça je vois pas du tout ce que c'est. On dirait comme une trousse. Ceci, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a l'air d'y avoir une grande poche dessus. Ouais, c'est ça. Franchement, je sais pas trop à quoi il sert. Faudrait que j'aille regarder sur le site, ce que c'est de la marque Harris Horse. Mais en tout cas, il est super joli. Je pense que pour des protections, ça peut être peut-être pas mal. Parce qu'il y a, il est comme en filet, donc à voir. Dedans, on a un petit sachet de friandises de la marque Croc et Kid. Donc, avec un petit autocollant comme ça. Vu que c'est la box du mois de février, mois de février, c'est la Saint-Valentin. Ensuite, on a... Ah, il y a plein de petits cœurs en carton dedans, c'est trop mignon. On a... Ça, ce produit, donc ça je pense que c'est pour l'entretien des bottes. On va l'ouvrir. Ouais, bingo. Je pense que c'est du cirage en fait. Non, on va voir. Ouais. Ah, cool. En plus il est noir, parfait. Normalement. Voilà. Ouais, c'est bien du cirage, qu'il y a le petit embout en éponge là. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce qu'en plus j'en ai du cirage pour mes bottes, mais il est pas noir, donc ça leur fera vraiment pas de mal d'avoir un coup de cirage noir. Ça va leur redonner pas mal d'éclat. Ensuite dedans on a un mort simple double brisure en... je sais pas si c'est pas du Cyprium la marque, la ferraille. Je vais le verra mieux, mais du coup ouais, voilà. Il est comme ça. Ça peut être vraiment sympa parce que Fawena, je la monte avec un olive double brisure. Donc là, c'est un mort simple. Je pense que c'est à essayer parce que pour le coup, je vais peut-être gagner un petit peu en précision par rapport à l'olive, en direction aussi, si jamais je dois rajouter des rondelles. Donc ça peut être très sympa. Ah, c'est trop mignon. C'est un petit panneau. Donc du coup, Fawena a son box. Donc je pense que ça peut être très sympa de l'accrocher à la porte de son box. Parce que je pense que c'est une matière qui doit pouvoir aller dehors. Et pour finir, dedans, on trouve habituellement le petit mot de ma Poney Box. Le prospectus des friandises Croc et Kid. Et... la petite carte de chez Cozy Socks.
qui donne droit à une réduction. Sur cette box, donc j'étais partie sur le format élite, non, grand prix, la grande, donc qui donne en général entre 5 à 6 surprises de valeur du coup assez supérieure. Et franchement, moi, je suis très très contente de ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai que le mort, depuis quelques temps, je me tâtais un petit peu à changer celui de Fawena. Donc je pense que ce sera à essayer. Le sac, je vais aller regarder vraiment à quoi il sert sur leur site, sur le site de Harry's Horse, parce que je suis vraiment pas sûre de son utilité, mais moi je pense vraiment que ça doit être pour certainement pour des protections. Les petits bonbons, le cirage pour les bottes et le petit panneau pour la porte de box. Ça a été très compliqué pour moi d'attendre quelques jours pour l'ouvrir, mais finalement, franchement, je suis super contente. Comme d'habitude, je vous mets là un bon de réduction qui vous donne droit à 10% sur votre abonnement. Et ici, je vous en mets un autre qui, lui, vous donne... qui lui vous donne droit à une petite surprise en plus pour l'achat d'une box à l'unité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !